Je viens de pas parler, vous êtes trop chaud, c'est super cool d'avoir des gens aussi déter, ça fait plaisir. Bon, Shalom, j'ai parcouru une longue route pour venir jusqu'à vous. J'ai traversé une tempête à bord d'une voiture, j'ai fait une plantée contre deux camions, j'étais fatigué. J'ai failli pas venir, mais si j'avais fait ça, j'aurais grillé ma carrière, donc je l'ai pas fait. Alors, je suis là pour vous ce soir. C'est Rude, alors si c'est moi, pour vous faire des petites chansons délire. Et moi, j'ai des chansons sympas. Moi, j'habite juste au-dessus. Lui, il habite juste au-dessus, et lui, c'est Rude. toujours là pour aller sur la main percu. Pur Chalonnais qui me rallie à cette ville. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. En plus, c'est parce qu'il est carrément vrai. Donc, on va commencer gentiment, mais tranquillement, avec une petite chanson de mon cru qui me correspond pas mal en fait, qui s'appelle Je souris. D'ailleurs en fait, parce qu'on est plus audible comparé à tout à l'heure. Ouais, on entend mieux. Ouais, c'est bien, bon, cool. Et à la base, je fais des chansons en français à texte, et c'est vrai que c'est vachement mieux quand on me comprend. Parce que sinon, je chanterais en anglais, comme ça tout le monde s'en foutrait. Non, c'est pas vrai, tout le monde s'en foutrait pas, mais beaucoup de gens comprendraient pas. On n'est pas réussi pour écrire meilleur en anglais, moi le premier. La chanson s'appelle Je souris. J'ai besoin d'un chanson pour me vider la tête, pour faire une pause, un vrai quoi me reste. Je me pose une paire de verres pour ne pas avoir à en boire, afin d'oublier ce qui me fout le cafard. La nuit commence à tomber, il se fait tard. Je marche, je titube, je rentre dans le brouillard. J'ai pas la moindre idée de là où je vais, mais au final, là, je m'en fous. Je suis pas pressé. Et ses coudes roussies, et dans tout ça pour continuer d'avancer ainsi. C'est bien moi, oh, je souris. Je souris. Notre vie, on veut la famine, des guerres, des maladies, réfléchis bien. Allez, on vit. On est bien se protéger, mais à l'écart des dangers, dans notre magnifique société. Un peu comme enfermé dans une prison dorée, et au final, je crois bien que c'est nous les plus névrosés. Thank you.
et dans un sable pour continuer d'avancer ainsi. Il y a moi, la musique. Genre j'avais 17 ans, j'en ai 35. Et ben j'ai pas changé. J'ai toujours le smile. Alors voilà, tous les cons qui ont essayé de plus me faire sourire. Et ben je vous dis, je souris toujours. Et pourtant il y en a eu des passes qui ne feraient pas sourire, comme par exemple un sujet d'actualité que tout le monde adore, que tout le monde a vécu, que tout le monde apprécie, le cancer. Ouais. J'adore. Voilà, c'est très sympa. Et un truc vachement cool à notre époque, parce qu'en plus, on nous aide à la noire. C'est-à-dire qu'on nous vend des clopes, un truc magique qui t'apaise, alors qu'à la base, quand t'essayes, tu tousses. Et que ça t'apaise parce que t'es énervé de pas en avoir. C'est un truc dingue qui te fait mourir plus tôt. Et tu payes pour. Je suis fumeur, oui. J'ai déjà connu des proches qui sont en sont morts, donc j'ai le droit d'en rire, pour ma part. Donc cette chanson s'appelle « Moi et mon cancer ». Et le pire, c'est que je l'ai composée quand je ne fumais pas encore. Pour dire la connerie du truc. Donc je peux me foutre de ma propre gueule, « Moi et mon cancer ». Cylindre, pas plus haut que ça, qui te pourrit la vie, à toi comme à moi. J'allume, je fume, oh Dieu que c'est bon. Et je crois surtout que c'est un piège à con. On se tartine les poumons de tonnes de goudron. C'est dégueulasse, ça me crasse, mais ça c'est la classe. Se tuer à petit feu est devenu contagieux. En plus, on adore voir notre santé partir en fumée. Car moi, mon cancer, je l'apprécie. Et je sais qu'il m'aime aussi. L'amour du coup, j'en prends soin, je le nourris. Car lui et moi, c'est pour la vie. Oh, l'asphalte de la rue m'est un peu plus familier. Maintenant que mes poumons commencent à lui ressembler. Les gaz d'échappement n'ont plus le même fumet. Ou alors c'est mon odorat qui commence à décoller. On ne peut plus pouvoir respirer. À moitié asphyxié, soudain on se tape la bouche. Tour de nom, j'ai plus de l'heure. Car moi, mon cancer, je l'apprécie et je sais qu'il m'aime aussi. Mais je crois que cette relation ne peut plus durer. La séparation va être dure à assumer. Mais cette fois, j'en suis sûr, j'ai la conviction. Je suis déterre, je plaque mon cancer. Pour bon, cette fois, j'y crois, j'ai la motivation. Bon allez, une petite dernière. Et puis, c'est bon. Quelqu'un a eu feu. Merci. Ça va, le son est bon? Reste audible. En général, quand je vois les gens sourire, qu'ils entendent les paroles des fois, qu'il y a des trucs rigolos, s'ils sourient, voilà, si vous souriez aux trucs rigolos, c'est que c'est bon. En tout cas, moi, ça me fait pas dans la poche, vous entendez déjà. Et déjà, voilà. Ça va être beaucoup mieux.
Ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble tous les deux. C'est vrai qu'en plus, là, avec les tempêtes de cet été et tout ça, c'est génial. Ça fait du bien. Les conditions climatiques pour le jeu en extérieur se sont considérablement améliorées. Voilà. Soit on a trop de soleil pour les panneaux solaires, soit il y a trop de vent pour jouer et les enceintes s'envolent. Mais les enceintes qui volent, c'est normal. C'est comme les oiseaux. Ça n'a pas de sens, hein, non, vous y prenez ce que vous voulez dans cette phrase. Si vous y trouvez un dicton, une logique, moi je suis chaud. Une enceinte, ça n'a pas l'air. Mais un toit non plus, et pourtant, en temps de tempête, il s'envole. Ah, oui, c'est ça. C'est aussi une soirée philosophie. Vous pouvez vous inviter sur scène et philosopher avec nous sur les enceintes ont-elles des ailes. Vous avez 5 heures, on va vous donner du papier à 4. Vous démerdez avec ça. Bon, la prochaine chanson pourrait presque en venir à ça, parce qu'à la base j'ai imaginé un ravioli qui resterait trop longtemps dans un placard et qui prendrait vie. Et bon, la chanson parlera d'elle-même. Le petit ravioli cramoisi. J'adore ces... chez moi, oh, pour la pause déjeuner. Le soleil brillait, les oiseaux casonnaient, une boîte de ravioli. Génial, attends, mais c'est midi. Achetez-moi un truc pris, j'en sais rien d'envie, mais une odeur suspecte attire mon attention. Je manquais dans ma baraque sur la dite infection. Je la trouve dans un placard, la chose des temps oubliée. Il est venu petit noir, car c'est en vérité le petit ravioli cramoisi. Celui qui se fait croire dans nos corps dans la nuit. Je m'évanouis, puis retrouve mes esprits. Me voilà nez à nez, et avec ce petit ravioli. Il me regarde fixement, attendant le moment de s'élancer sur moi, entacher mon costume blanc. De juste les soupes sur le côté, parvient à m'en tirer. Et cet enfoiré, au bout du compte, finit par me coincer. Je suis derrière, il est devant. Je suis à la merci. Maintenant, du petit ravioli cramoisi. Celui qui se fait pas dans le temps dans la nuit. Le petit ravioli cramoisi. Les nuits de monsieur propre à dire ses nuits. Le petit ravioli cramoisi. Je ne peux vous la chanter, car nos amis sponsors ont été censurés. Cette ère, mes amis, je le leur ai aussi joué. Et croyez-moi bien maintenant qu'ils sont en train de fêter. Le petit ravioli cramoisi, celui qui te fait froid dans le temps dans la nuit. Le petit ravioli cramoisi, et puis monsieur propre bien ses nuits. Le petit ravioli. Il y a le refrain, il est grave compliqué. Je pense qu'avec vous, vous pouvez. Le petit ravioli cramoisi. C'est qui tu ne pas dans la nuit. Je vais continuer tout ça. Ravioli cramoisi. Thank you.
Ah, j'adore celle-là. C'est bien, vous êtes là avec nous pour supporter aussi, pour vous faire mal aux mains à force d'applaudir. J'ai vécu ce soir slam. J'ai jamais autant applaudi de ma vie. Ah, un truc de ouf. Faites-tu des soirées slam, si vous voulez applaudir et que vous aimez applaudir, faites des soirées slam, on applaudit tout le temps, c'est la fin. Dans tes codes, c'est super cool. Vous savez qu'à la fin, il dit merci, Roud. Bon, ça, c'est gentil. Merci, public. Alors, en vrai, je serais tout seul dans ma chambre, je me fais chier, heureusement que vous êtes là. Hein. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez la pêche? Alors la prochaine, vous allez voir. Ça se sent. Il y a deux personnes qui ont répondu. Est-ce que vous avez la pêche? Voilà, au moins, j'ai envie de dire, allez, ceux qui écoutent pas, d'accord, mais ceux qui écoutent, merde. Je vois tous les gens qui n'ont pas dit oui, et ça ne change rien, et je vous aime toujours. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir dit oui. Alors, vous voulez une chanson qui bouge? Ouais. Mais non, on va dire une valse. Dans l'ordre depuis que je les ai créés, donc en fait ces chansons là ont à peu près 10 ans, donc en fait j'hésite à faire de temps en temps aussi un petit jump dans le présent. Je n'hésite pas. Allez, alors je transcenderai tout, je casserai les règles et je switcherai une chanson de maintenant. Vas-y, lâche-toi. Alors j'avais déjà fait, alors j'ai une aversion pour certains médias mainstream qui nous donnent de la merde comme contenu. J'en avais déjà fait une à l'époque. Et j'en ai fait une plus récente, bah, je vais commencer pour une fois par la plus récente qui s'appelle Média Poubelle. Est-ce que vous aimez BFM? Pour ceux qui ont dit oui, c'est pas grave. Est-ce que vous aimez Hanouna? C'est bien, c'était un test. Cette chanson s'appelle Média Poubelle.
lunettes. Mets en pause tout ton intellect. Laisse-toi abreuver de mille et une débilités sans qu'aucune source n'ait jamais été citée. Surfe sur le buzz et laisse-toi être émotionnel. Laisse-toi ton toucher pour faire des repostes à la chaîne. Tourner un fond sans jamais être suspicieux. Regarder les fakes sans savoir que t'es furieux. Ouais, faut que ça meuse, il faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles de Hanouna à BFM. Avec la com et comme emblème, problème d'avoir des gens qui détournent du réel. Une vie tournée et à du débat. Ton média standard ou bien internet, c'est la profusion pour les nouveaux prophètes. Si du fake, la religion des news planètes, des adeptes relayant les infos suspectes. Donc ces experts qui n'en ont que le nom, ou bien ces docteurs sans doctorat à l'horizon. N'importe qui donne son avis sur des sujets non maîtrisés. Pas tout le monde entendra l'antenne dans le débité. Ouais, faut que ça buzz et faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles de la Luna à BFL. Avec la conne comme emblème, problème d'avoir des gens qui détournent du réel. Une vie tournelle et adieu le débat rationnel. Alors d'où ça vienne, faut vérifier les faits avant de s'emballer. Parce qu'en fait c'est de faire chercher, de faire voir rouge, ou bien sortir de du con quand on s'énerve. Plus de critiques à l'horizon. Me prendre pour un con. Laisse ton esprit allumé, faire preuve de lucidité. C'est pas parce qu'on pense à l'écran qu'on détient la vérité. Ouais, faut que ça mette, faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles de Hanouna à BFL. Avec comme emblème, problème d'avoir des gens qui détournent du réel. Une vie tournelle et adieu le débat rationnel. Ouais, faut que ça buzz et faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles, à l'UNAVFL. Avec la conne comme emblème, problème d'avoir des gens qui détournent du réel. Une vie tournelle. Au revoir, débat. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Ah, c'était là. Du coup, on se demande, on se dit, ah, c'est quoi? Ouais, parce qu'on fait des fins, ouais, je connais moi aussi. Mais j'aime bien les chanteurs à la fin qui font trop des fins de ouf. Mais à la fin, tu les regardes en mode, ça y est, c'est fini là. C'est quoi qu'on a peu? Faudrait un petit drapeau et tout, c'est à la fin end. On va trouver des astuces avec le temps. Bon, est-ce qu'on ferait pas un truc en polonais? Moi, je serais bien chaud. Moi, j'allais dire, en plus, on ne se fait pas une impro. Mais... Ah, on est d'accord. Eh, franchement, on est bien d'accord. Ah. Je ne sais pas du tout chanter polonais. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Et si quelqu'un sait, je m'en excuse d'avance. Parce que s'il comprend, bah, vu que ça ne veut rien dire, voilà, je ne me fous pas la grille polonais de qui que ce soit. Mais je trouve ça vachement rigolo de chanter dans des langues que je ne connais pas. Pas par foutage de gueule, mais juste pour le délire d'aller sur d'autres choses, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie d'apprendre 15 langues. Donc, ce qu'il faut lire, c'est que la prochaine chanson, vous ne la connaissez pas, mais nous non plus. C'est vrai, c'est carrément vrai, en plus. Mais nous aussi, on sait pas encore ce qu'on va dire, mais on va le dire, et ce sera vachement intense, et en polonais. Parce qu'on a pas envie de le dire.
franchement, elle était vachement cool. c'est vachement bien d'avoir chanté avec nous parce qu'on n'avait vraiment jamais fait ça. C'est à fond, je pense que vous avez pris beaucoup de plaisir. Ça s'est pas du tout vu, j'imagine. Nous en plus, on est des gens. On sait qu'on a à s'améliorer, on transparaît rien sur scène. Genre, on sait qu'on parle pas assez, qu'on devrait être plus expressif. Mais on fait notre possible, vous savez, nous avons des cœurs de glace, on n'aime pas être là, on fait ça que pour l'argent. Quand Manu et moi, il faut être clair avec son public, nous ne prenons aucun plaisir et nous simulons très bien. C'est pas vrai du tout. Est-ce que tout le monde aime les photos d'identité? Ça se convient, moi non plus. Là-bas, j'ai fait celle-là, après avoir fait une photo d'identité. Et je me suis dit, ah ouais, ça c'est moi. Et les mecs ils me reconnaissent avec ça. Bah moi pas. Je sais pas comment ils font, mais voilà. Cette chanson s'appelle Photomètre. Caché et qu'on puisse prendre les gens juste avant, t'es pas avant la fin de la chanson où tout le monde est vraiment bien sérieux. Ça passe vraiment photomatesque. On s'est compris. Inventons des termes, inventons des mots. La langue est une langue vivante. Voilà. Ok. Est-ce que vous aimez la routine? Non.
J'adore poser des questions pour que les gens me répondent non. Et en vrai, ça change trop, tu vois. Là, je suis en concert, tout le monde est trop chaud. Hey, mais non, pour une fois, non. Est-ce que vous aimez les koalas? Non. Ouais, là, c'est un piège. Forme d'être sans cœur, sauf toi, peut-être, qui a répondu oui. Et toi, je sais pas, tu m'as entendu, c'est pas si fort. T'as pas répondu, t'aimes pas les koalas? Qu'est-ce que t'as répondu? Je dis pas, on est pas des lignes. Ne se prononce pas. On se croirait à la télé avec la baïate. Partons sur des faux débats. Alors, donc si vous n'aimez pas la routine, ça tombe bien, je suis pareil, cette chanson s'appelle Train. Croiser mon regard, c'était le train-train quotidien. Il était là, je ne sais pourquoi. J'ai pris mon ticket et je suis monté dans le train-train quotidien. Jour après jour, j'arpente les mêmes chemins, le même bus, le même métro, les mêmes croissants, le bassin, les mêmes voies, les 3 ou 4, les mêmes murs, au placard en place. Le temps sur stop, tout est figé, comme un serpent qui ne voudrait pas changer pour pendant des années. Le temps sur stop, tout est bloqué, comme un décor sur une banderole qui se serait défilé. C'était sur la ligne qui ne mène nulle part, direction l'ennui et le cafard. C'était le train-train quotidien. J'étais sur le métro, boulot dodo, sur la rame de l'intense redondance. C'était le train-train quotidien. Et aujourd'hui, où est-ce que je suis? J'entends le clac-clac continu qui rythme ma vie, le tempo est inchangé. Le temps n'a pas bougé, mais ton âme continue lentement de balancer. Marqué dans le TGV de la morosité, 360 km partout puis je passe en plaisir. Merci. En même temps, c'est jamais pareil avec toi. On fait jamais deux concerts identiques. Ouais, et moi, c'est ce que je préfère. En fait. Vous voyez un peu la manière de Bob Marley ou Jimi Hendrix. En fait, à l'époque, les enregistrements qu'on connaît le plus d'eux, c'est un temps de eux. C'est genre, c'est pas parce qu'il cette chanson qu'on connaît d'eux, genre No Woman No Cry. En fait, on a une version, mais lui, genre, il a joué jamais pareil. Donc pas à ce point-là, quoi. C'est-à-dire que la version que tout le monde connaît de No Woman No Cry, Bob Marley, c'était une des versions qu'il faisait. Et genre, c'était, si tu lui avais dit à l'époque, fais-moi No Woman No Cry, il l'aurait possiblement fait différemment de celle qu'on connaît aujourd'hui. Bah, Jimi Hendrix, tout ça, c'est un peu pareil. Ils ont un thème directeur, mais il y a quand même les arrangements, certains trucs, c'est pas grave. Et toi, par exemple, est-ce que tu es capable, avec trois mots que le public va te donner, je sais pas, de faire une improvisation avec ces trois mots? Je sais pas si j'en serais capable. Ah, je te lance un défi, là. Allez, ah, allez. Oh, mais quel défi de allez. Ah, je sais pas, vas-y, oui, oui, je le relève. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous donner un mot, une personne qui peut... On fait des impros thématiques, donc on aurait besoin de trois mots, il a voulu trois, et je suis d'accord. Oui, madame, oui, mademoiselle. Révolution, ok, on a un mot. Excellent choix. Je l'ai pas eu souvent en plus. Météo. Révolution, météo, oh, ça va être chaud, ça va être chaud, pas dur, mais là le thème devait être pour moi. Hein. Révolution, météo, ok, vous êtes mis dans la merde tout seul là. Et après ce qui sort, c'est pas ma faute, hein. C'est vous qui choisissez le thème. Ah, j'ai amour derrière. Amour, révolution, météo, ok, ça marche. Ouais. Ah, c'est bien, ça me va, c'est un bon mélange de thèmes en plus. C'est pas trop cool. Non, c'est bien, vous avez bien choisi.
chanson. On connaît pas encore le titre. On vous donnera la fin du morceau. Qui rentre là, il va se dire ouais, sympa sa chanson. Ah, non, mais elle n'existe pas cette chanson. On est en train de la faire pour vous là. Il n'y a pas de texte. Et vous pourrez, parce que voilà, maintenant vous pouvez vous concerter entre mecs, personnes qui ont donné des mots pour savoir est-ce que c'est des complices ou pas. Ah, en plus, comme ça, pour savoir ou pas si c'est des complices, vous êtes obligé de vous parler. Voyons, on crée du lien. Vous avez vu là, c'est le chicarfuge de ouf.
Il y a des escrocs et tout. Ouais, c'est dans ce...